le focus était fait au niveau de cet incident. Mais ADC continue sereinement son plan, la mise en œuvre de son plan de réhabilitation et de modernisation des aéroports. Je voudrais, tout à l'heure, lors de mon mot introductif, j'ai parlé de l'aéroport de Douala qui date depuis 1977. Nous sommes en pleine phase de maturation pour refaire l'aéroport de Douala. Donc, je crois que si le calendrier est respecté, si nous n'avons pas d'aléas, avant la fin de l'année prochaine, nous devrons pouvoir lancer déjà les travaux, je crois novembre, décembre. Donc nous nous continuons. Et nous avons visité tout à l'heure l'atelier de maintenance. C'est un atelier pour améliorer le taux de disponibilité de nos équipements et permettre ainsi que nos avions aillent toujours à l'heure. Vous avez également visité une voie d'accès au niveau de l'aérogare fret que nous avons bitumé, qui n'était pas bitumé sur 1,5 km. Donc c'est autant de petites, je les appelle petites actions, mais ça coûte quand même de l'argent parce que pour refaire cette voie d'accès, nous l'avons couplée avec un poste de stationnement avion, ça nous a coûté plus d'un milliard de francs. Donc ce n'est pas des petites actions que nous faisons. Et je crois que l'atelier de maintenance, nous sommes autour de 300 millions.